Voici un petit montage que j'affectionne particulièrement pour pêcher avec une pop-up, c'est le multi-rig. Déjà, l'avantage premier, c'est de pouvoir changer d'hameçon très rapidement s'il est moussé ou si vous voulez changer de taille d'hameçon. De plus, il permet de pêcher sur tout type de fond, du gravier, de la vase. La seule limite, c'est quand les herbiers sont très hauts. Donc c'est un montage très simple à réaliser qui m'a permis de prendre plusieurs beaux poissons. Il permet de pêcher sur des amorçages à la bouillette pure ou aussi des amorçages à la particule. Commencez par réaliser une boucle de 3 cm avec la tresse camo. Prenez un hameçon chaudi en taille 6, passez dans l'œillet de l'hameçon. Prenez un micro émerillon swivel et passez-le sur votre morceau de tresse. Passez la tresse dans la hampe de l'hameçon. Réglez ensuite la longueur, généralement au niveau de la pointe de votre hameçon. Dénudez environ 1 cm en dessous du nœud pour ainsi créer une articulation. Prenez un morceau de pâte d'arcmetteur, malaxé entre vos doigts pour la chauffer. Modelez-la autour du nœud. Prenez votre anti-tank sleeve, passez-le sur votre tresse. Il servira à plaquer votre bas de ligne et à éloigner votre montage du plomb. Définissez la longueur de votre bas de ligne, j'aime l'utiliser généralement entre 18 et 25 cm. Réalisez ensuite une boucle qui servira à accrocher sur votre QC swivel. Humidifiez votre nœud et serrez la boucle pour verrouiller. Coupez l'excédent. Prenez un morceau de bait floss. Prenez une pop-up. Passez votre morceau de bait floss dans le micro swivel, prenez votre bouillette et faites glisser jusqu'au micro swivel, à la moitié du baril. Prenez un flosscape, enfoncez dans votre pop-up, coupez à environ 1 cm, brûlez l'excédent de bait floss pour sécuriser. Votre montage est enfin réalisé, il vous reste plus qu'à accrocher sur un montage de type hélicoptère ou clip long suivant le type de fond.